Mais on va dire que ouais, j'ai quand même mal aux pattes parce que voilà, c'est un chrono où on peut pas le faire tranquille. C'est un chrono exigeant où on est obligé de s'employer quoi qu'il arrive. Pour moi, il y a d'abord cette première partie qui avantagera plus les rouleurs où il faut quand même aller vite, mais sans se mettre dans le rouge. Mais la vraie partie qui fait la différence, c'est de sous-rail haut de la côte de Pinodieta, où là on a des successions d'ascensions courtes, mais qui avoisinent les 20% très raides. Donc là, il y a de quoi gagner ou perdre beaucoup de temps. Sur le papier, si je suis sur le tour, c'est vrai que c'est un parcours que j'aime bien. C'est pas un parcours plat, moi j'aime pas les parcours trop plats, donc c'est un parcours que j'aime bien. Après, la concurrence à ce niveau-là est exceptionnelle, donc voilà, c'est compliqué, mais il faut essayer de faire une bonne performance si j'y suis. Déjà de s'échauffer avant, ce que je pense. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y a un échauffement d'abord. On va s'imper en vélo d'Espelette, donc c'est pas plus mal. Et de ne pas trop se précipiter à la sortie de Saint-P, en garder un peu sous la pédale pour Sous-Ride et les 10 derniers kilomètres finaux.